monte sur son balcon. Enfin, sur l'escalier. Alors, fusée humaine, vitesse divine. Ah, bah voilà ça. Atteignez votre vitesse de pointe 4 fois plus vite. Distance de vol, ouais, ça c'est nul. Ça c'est bien. Je fais courir 50% plus vite. Voilà, R, là-bas. Peut-être que je vais me remettre en normal. Ah, ça donne quoi de courir? Ah, ça va plus vite que de voler. Hein. Monsieur. Ah, là je suis à vitesse max. Ouais, quand je suis en rouge comme ça. C'est que c'est pas bon. J'ai cru que j'allais. Je vais trop vite! Et après, je vais augmenter mon vol si je peux. James, Athéna a découvert que le colonel Rooks compte envoyer l'ancienne équipe de Koenig en zone verte. Je parie que certains d'entre eux bossent pour Mercer. Si je leur mets la main dessus, je pourrais peut-être en savoir plus sur ce qu'ils préparent. Bonne idée. Le colonel Rooks tient un briefing sur ses chercheurs et leur nouveau chef, le docteur Archer. Selon Athéna, Koenig l'a désigné lui-même comme sa remplaçante. C'est sûrement une évoluée. Je peux pas rater ce briefing. Ok. Désolé, mais moi je voulais... Mais... Arrête, hein. Attention. Mais il est fou. Non, c'est juste un moment passager de lançage d'humain. Ah merde, c'est passager, désolé. Ah, c'est lui, un soldat du backwatch, je prenais son apparence. Ok, bon, ça va être assez facile. Le mec il doit traîner là-bas. Atterrissage, atterrissage. C'est bon. Ils ont entendu du bruit, mais ils savent pas que c'est moi. Si. Ta-na-na-na-na, telle une proie qui va attaquer. Hop là. Bon, il faut aller là-dedans. Lâche cette arme. Lâche cette arme. C'est pour les sous-évolués, ça. La compagnie se dirige vers ce qu'il reste de l'équipe de Koenig, ce qui signifie que votre unité va se joindre à nous. Ils sont sous les ordres d'Archer? Faut demander l'autorisation de parler avant de l'ouvrir, espèce de débile. Suite aux récentes failles de sécurité, vous ne recevrez que les informations nécessaires. Le lieutenant Riley et moi serons les seuls à avoir l'ensemble des informations. Par ailleurs, pour nous éviter d'avoir à réparer toutes vos conneries, c'est le lieutenant Riley qui dirigera cette mission. Il est infecté lui aussi, ils sont tous infectés. Ballista 4-4, le premier groupe vous attend sur le site A. Assurez son transit vers le site B, je vous transmets les coordonnées. Bien sûr, Cassel, on s'en charge. Je crois qu'il fallait que je conduise l'hélico, dommage. James, qu'avez-vous découvert? Les chercheurs sont déjà là. Ils arrivent de la zone jaune par hélico. Je vais aller me présenter, ils savent peut-être où est ce docteur Archer. Très bien, allez, allez, bonne chance. Je vais me taper un sprint, ça va plus vite. Attention, c'est parti, je cours. Je suis parti. On peut plus m'arrêter. Presque. Ballista 4-4, le premier groupe a atterri sur le site A. Où est-ce que vous en êtes? À vous. Cassel, ici 4-4. On arrive dans 5 minutes. Terminé. Bon sang, arrêtez de glander et accélérez le mouvement. On en a déjà trop perdu de ces types. Pardon, mec. Tape pas, hein. Non, je rigole. Cassel, ennemi non identifié repéré. Engagez le combat 4-4, maintenez votre position et attendez Ballista 4-4. Oh mon dieu! Où est l'hélicoptère?
Je ne peux pas rester là. Bah, jette-toi, vas-y, je ramasse en bas. Voilà. Voilà. Merde. Ces types savent rien sur Mercer. À mon avis, ils sont pas impliqués. Le site A est compromis. C'était Heller, j'ignore comment il l'a su. Il ne doit pas atteindre le site B. Merdez pas sur ce coup-là. Il est affecté, lui, pour faire ça au gros. Je m'en occupe, colonel. En avant! Même pas peur, des gros. Mon père, ce lieutenant Riley, il bosse directement sous les ordres de Rooks. Si je prenais sa place, je pourrais obtenir des tas d'informations. Oui, il est surtout infecté. Faites ce que vous avez à faire. Mago 1, ici Castle, on change d'objectif. Heller est dans le secteur. Établissez un périmètre de sécurité et trouvez-le. Je veux voir cet enfoiré dans un sac mortuaire. Un docteur qui attaque un chat, quoi. Mako 1-2, vous avez du nouveau? Toujours aucun signe de Heller, lieutenant. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout? Oh merde! Il vient d'arracher la joyeuse d'un char! L'un des chars de Riley, avec un véhicule blindé. Tu vas quand même pas me laisser casser tous tes jouets sans réagir. Castle, ici Hammer 1, 3-1. Mako 1-2 ne répond plus. Perte probable. Lâche-moi ça. Et merde. 3-1, restez sur garde. C'est le char qu'il faut que j'aille piquer. Maintenant, et c'est Castle. On a retrouvé Heller. Envoyez-nous du soutien aérien. Vite. Castle, ici Red Crown. Valista 2 est en route vers votre salut, position. Vous. Terminé. Détourné, c'est eux, je crois. Allez. Par contre, il y a des lourds, il y a des gros. Il tape pas, mon char. Abattez-le, 2-1. On va essayer. Ouais. Essayer, c'est pas réussir. Je comprends rien, c'est véhicule à chaque fois quand ça marche. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, désolé pour le fric. Ah! Enfin, tu es le bon! Tu fais moi le fier sans tes drogues! Et une vitre blindée pour te protéger! Hein? Où est ton armoire pleine de zombies maintenant? C'est pas c'est un humain! Abattez ce psychopathe! Saloperie dégénérée! Ah, prends une caméra, prends une caméra! Pas s'il me prend pour toi! À toutes les unités! Genre, tout le monde l'a vu mourir, mais ils vont pas s'y aller qu'il est mort. Riley, vous avez pu localiser le docteur Koenig? J'ai bien peur que non, monsieur. Il avait accès à tous les stocks de White Light de Gentech. Il a plusieurs fois caché délibérément ce qu'il faisait. Je ne lui fais pas du tout confiance. Ils sont tous infectés. Tiens les couilloux. C'est carrément un métier là, pour se transformer. Ah, il me suit en plus, après. Voilà. Castle, ici Checkmate. Check Norris. On va voir si je suis bon acteur. Reçu, ici Riley. Enfin, Castle. Désolé, ça a pas mal chauffé pour nous ici. Sans déconner. Allez vous mettre à l'abri et rappelez-moi, le docteur Archer a disparu. Bien reçu. Mission terminée. Mon père, le docteur Archer a disparu. Le Black Watch sait pas où elle est, mais elle bossait sur ce truc là, le White Light. Mon Dieu, nous devons la retrouver. Vous en faites pas. Je peux me faire passer pour Riley. Rooks me dira tout ce que je veux savoir. Je visite en attendant. Hein. Ah, encore une mission secondaire. Oh mon Dieu. Je crois que j'en ai pas fait une. Si. Je
Je crois que c'est un ami que j'avais pas terminé. Ah, c'est la gymnastique du matin, c'est normal. Dennis Wayne, chef du projet Orion Revival. C'est pas vrai, ça me dit rien de bon ça. Bon, allez, c'est parti. Alors, traquons Traki, traquons-le. Allô, t'es où? Par là. Il est dans le parc. Ah non. Je préfère combien comme ça. Ah. J'ai été trouvé. Bonjour. Il est là. Arrêtez-le. Oups. Oh, on peut descendre pas. Oh. Ah putain, il est tourné. Oh, trop de monde. Bonjour. C'est un clochard. Oh merde. Ah non, mais il y a un bug. De... Ah. Aïe, aïe. Voilà. Ah mais oh. Spish. Oh oh. Aïe aïe aïe. Ah bah attends, non, faut pas que je te tue, attends. Voilà. Alors mange tout ce que tu peux. Watch pense être plus malin que nous en transférant des informations par hélicoptère. Ils font une grosse erreur. J'ai des hommes postés sur tous les toits stratégiques de la ville. Ces hélicoptères ne voleront pas longtemps. Bien. Je veux récupérer ces données. Non mais, et on dit s'il vous plaît d'abord. Espèce d'impoli. Ok. Emparez-vous-en. Ok. C'est parti, comme d'hab. Viper, ici Ballista 4. On vous apporte le projet Orion Revival. Je demande l'autorisation d'atterrir. À vous. Ouais, est-ce qu'il faut aller? Vous pouvez atterrir sur la base Juliette 5. Bienvenue. J'ai vraiment pas besoin de me coltiner d'autres super soldats. Je vais aller poser Ballista 4. Qu'est-ce que se passe? Ne vous inquiétez pas, c'est votre chef, il fait de la grimpette. Ah, je peux le faire trois fois maintenant, ça. C'est pour ça tout à l'heure je me disais, c'était bizarre. Oh non, c'est joli ce parc là. Bonjour. Putain, j'aurais. Eh, je saute quasiment aussi haut. Je suis sûr que je pourrais que sauter aussi haut que ça. Une fois l'amélioration au maximum. Ça sera juste énorme. Oh non, non, faut... Oh, faut pas encore ramasser. Je fais que ça, ramasser leur machin. Bon bah. Viper 44, ici Viper. Un hélico du Black Watch transportant toutes les données de Dennis Wayne s'est écrasé. Le problème c'est que je saute. Hein? C'est notre dernière chance de relancer le projet. Vous êtes nouveau vous? Ici Ballista 4-3. Un ennemi essaie de récupérer les colis d'Orion. On attaque la cible, terminé. Ouais mais non mais. Ça, j'attends de voir. Tout ça, éliminez-moi. Mais ça peut viser, ne touche pas. Viper 4-4, faites-moi votre rapport. Le sujet est très rapide, on tente de suivre. Je peux savoir ce que c'est recherché. Ah, là, je prends cher. Une extraction d'ADN de LR. Sans elle, on ne pourra peut-être jamais relancer la phase 2 du projet Orion. Sauf que le problème, c'est moi, LR. Dommage. Bah là, je vais trouver pour vous. Ah non! Pas cool ça. Est-ce qu'il faut aller? Allez, moins de bonhomme! Hein?
s'il faut aller. Il faut aller où? Ah, c'est fini? D'accord. On va mettre fin à l'alerte, hein. Dab. Mais c'est ça, clairement. Oh, grand fou. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Je ne suis plus là. C'est de plus en plus corsé les ramassages de colis. Là. Ok, bon, bah, il manque l'autre. 50%. Observons une minute de silence pour le projet Orion. Ok, par là. Ah, ah, oh, non, mais. Ah, mais pourquoi? Non, non. Ah oui, c'est juste là, ça. Oui, tu vois. Ah bah attends. Ah non, faut que je sois déguisé en. Laissez-vous. Laissez-moi passer, je suis votre chef. Juste à. Oh, arrête de taper, hein. Soren Donnell. Encore un scientifique dont le monde se passera très bien. Je le sens par là, là. Ah, ben non, perdu. Pourquoi ils sont tous là-bas? Droite. Oula. Il y a comme qui dirait les gens de l'armée. Oula, il y a des échos et tout. Bonjour. Ok, il est là-bas. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce qu'il est? Ok, à côté de la sonde, ça m'a étonné. Bonjour, continuez votre routine. Ça n'est rien. Il n'est que moi. Lui, je vais l'absorber en mode bourrin, je pense. Tout le monde doit le... Enfin, les gens doivent le voir. Ouais, bah, hein. Allez. Je vais disparaître là-haut et puis voilà. Vous avez parlé à l'équipe Gamma 2. Ils ne vous ont pas semblé étranges? Si, ils ont tous un doctorat en xénomorphologie. C'est vrai, il y a ça. Mais vous n'avez pas discuté avec eux? Moi, ils me fichent les jetons. Donnell, c'est pas étonnant, on bosse pour Gentech. Mmh. Ils vont faire des aliens. Bon là c'est le moment où il faut courir déjà. Et après on verra. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Poursuivre ses recherches les plus controversées, tuer les scientifiques impliqués dans ces expériences. Ça j'aime ces missions. Destruction. Viper, ici le docteur Kishino. J'ai deux équipes au sol, Gamma 1 et Gamma 2 sur les sites d'infection. Voilà. Elles effectuent des analyses, je vous envoie leurs coordonnées. À vous. Merci docteur Kishino. Les unités de Blackwatch protégeront vos équipes pendant leurs recherches. Terminé. Oh, joli bug. Ce sera peut-être pas suffisant. Alors. Bon, allons-y. Ça marche pas exactement, il faut aller. Oh, le crash va être dur. Le crash va être dur. Aïe, aïe. Attention. Non, c'est bon. Assimiler les scientifiques. Ah, pardon. On va la faire un petit peu plus moins bourrin. Allez. Bonjour. C'est vous. Montez dans le véhicule. Oh les relous. Ah là il y en a un. Hein? Il y en a un là-haut? Bon. Je vais te chercher après. J'aime bien, tout le monde m'a vu monter mais non. C'est pas un scientifique ça. Non, je faisais une routine là-haut. Non mais continuez hein, continuez, parce que j'aime bien ce que vous faites, continuez. J'ai juste pas envie de déclencher une alarme. Monsieur l'autre, je crois qu'il va le regarder tout le temps en fait. Bon. Allez hop. Allez. Coucou.
Les poupées. Mais... arrêtez de courir. Eh oh. Pourquoi il est jaune et les autres sont bleus? Juste toi. Vous n'avez pas pu vous en empêcher. Ah merde. Vas-y, j'ai voulu en moins de 80 secondes. Faire autre chose. Ah! Ah! Viper! Oh, non, Viper! Ici, 3-2. Ok. L'équipe Gamma 2 est... Ah, elle est en train d'attaquer un ennemi! Là. Les scientifiques, ils sont infectés! Ils volent dans tous les sens! Là. C'est tout? Bon, bah. C'est qu'en 10 secondes, c'est 90. Nouvelle lame. T'es sérieux, mon pavé? On va aller absorber l'autre là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, j'ai fini? Hein? Bah, je sais pas, il y avait un autre gars en jaune. Une nouvelle amélioration. Je veux tes souhaits. Défense. Oh, j'aime pas la défense. Ah, puis ça va peut-être augmenter mes points de vie. Ou... on va voir. Il prend des balles, toutes les balles de petit calibre. Ah, c'est bon ça. Les gains figés par l'ennemi, moins de 100%. Temps pour bloquer les attaques, ouais. Déclenchez votre esquive 25% plus tôt. Enfin, oui. Ouais, c'est nul ça. C'est bien ça, épreuve des balles. Comme ça, n'importe qui va te tirer dessus, ça fera pas mal. Alors. Oula, mais... ouais, désolé pour la déco, hein. Oh putain. Et elles sont même. Bon, il paraît qu'il faut t'absorber, toi. Ah ouais, les balles ne me font plus de dégâts. Bien. Allez, on va aller là-bas. Je vais arrêter le principal maintenant. Coucou. Ah, il m'a remis dans mon costard. Ici Rook, il me faudrait les dernières coordonnées d'Archer. Eh bien, bonne chance avec Archer. Elle a disparu quand Heller a buté les gars de Koenig. Gutiérrez est le dernier de son équipe à avoir donné signe de vie. Je vais vous indiquer ses dernières coordonnées connues. Bien reçu. Bien reçu. Et la leçon, le projet White Light de Gentech a été saboté de l'intérieur par le docteur Archer, une évoluée au centre de Mercer. Ça va se tabasser encore. Les dernières coordonnées connues de Gutiérrez. James, où êtes-vous? Je cherche un certain docteur Gutiérrez. Il bossait pour Archer. Il devrait me mener jusqu'à elle, et peut-être me permettre de résoudre l'énigme du White Light. James, je vous en conjure, restez sur vos gardes. Je doute que Mercer apprécie de vous voir vous mêler de ses affaires. Il me fait pas peur. Même pas peur. J'ai des pouvoirs, moi, ici. Attention... et but. Une bombe? C'est vrai. Quoi? C'est bien. Putain, merde! Oh, c'est bon ça, il faut se pouvoir. Alors, ça vraiment, ça déchire. Ah ouais, il le faut. Merde, où il est passé? Évidemment. Ah, ce con a essayé de faire diversion. Vous avez trouvé Gutiérrez? Te vois. Peut-être. Je poursuis un des larbins de Mercer. Je vous rappelle. Allez, baston! Donne-moi tes pouvoirs! Il est où? Ah ouais, mais... non, mais attends. Attends. Voilà, celui-là était déjà mieux que la lave. Prends ça.
Yeah. Tiens, moi aussi je sais le faire ce truc là. Non, pas toi, désolé. Il va pas s'enfuir. Hein. Ah ben non, j'ai craqué le Ravage. Désolé. Attends, mon bonhomme. Ça suffit. Et merde, je l'ai tué. Mais tu es pas les bio saboteurs, ils détiennent des raffineries. Bah oui, je sais, merci. Je t'ai pas censé lui faire tant de dégâts. Vous avez trouvé Gutiérrez. Rendez-moi mon pouvoir. Je poursuis un des larmes d'un mercenaire. Je vais faire. Je vous rappelle. On va se déguiser en soldat. Ah, bonjour, c'est un comme moi, pardon. Est-ce qu'il est là? Bonjour, oui, tu m'as vu, je sais. Ah, mais ils m'ont mis dans la haie, dégueulasse. Allez, va manger le sol. Ça te va si bien le sol. Désolé, je contrôle pas trop mes pouvoirs. Hein. Allez. Me tue pas. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Pitié. C'est ça, viens là. J'ai trouvé une pour toi. Je sais où tu vas. Oh, calmez. Mais j'ai peur de te tuer. Voilà. Allez, à table. Bon, je compte sur vous pour prendre toutes les précautions possibles, d'accord? Harry, ce message provient des docteurs Koenig et Archer. Vous croyez vraiment que je prendrais le risque de décevoir Alex Mercer? Bien, filez jusqu'à la base Adam, ne perdez pas de temps. Adam mobile. Du bon. Il faut que je m'entraîne pour ce pouvoir. C'était notre homme? Non. Juste un sous-fifre chargé d'apporter un message du docteur Archer pour un certain Gutiérrez à la base Adams. Ah, c'est loin. Atterrissage ici. Vol, petit oiseau, vol. Merde, oula, j'ai un problème de carburant. Ah. Atterrissage. Traqué. Donc hein, c'est là que se planque le pote d'Archer. Il faut que je le fasse sortir. Un soldat explosif devrait faire l'affaire. Dans le dos du commandant. Ok, ça marchera pas s'il me voit.